Bonjour à tous, c'est Chris. Alors, vous avez vu la petite présentation avant générique, les détails de ce téléphone, le Redmi 3S, le petit, je dis bien petit, parce que c'est le petit modèle de chez Xiaomi. Il n'est pas dans sa définition prime, mais la plus simple, c'est-à-dire 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Et ce modèle, il est autour des 115-120 €, ce modèle Light de chez Xiaomi. Mais alors attention, c'est pas parce qu'il est light qu'il est pas du tout intéressant. On est à un niveau de finition de chez Xiaomi et c'est sur ce point qu'il déchire vraiment tout face à la concurrence. Alors tout d'abord, je tiens à remercier la boutique Gearbest qui nous l'a envoyé pour cette revue et en faire le test et vous le présenter. Alors concernant le niveau de finition de ces téléphones, toujours châssis entièrement métal, aluminium, toujours ce look Xiaomi, rond, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de surprise. Alors, on a à l'arrière un capteur de 13 mégapixels avec une simple LED. On a tout de même un scanner d'empreinte. Et pour vous montrer ça rapidement, le scanner d'empreinte est configuré. Voilà. On relock. C'est de l'instantané, pas du tout besoin d'appuyer, vous effleurez, la lecture est très 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 rapide. Le processeur est un Snapdragon, donc le processeur chez Qualcomm, hein. C'est le Snapdragon 430, c'est un 8 cœurs à 1,4 GHz, donc on va dire que en gros c'est le concurrent du MTK 6753. Et que la puce graphique est une Adreno 505. Donc ça fait un smartphone vraiment simple, pas cher, mais alors franchement super super efficace. Vous l'avez remarqué par vous-même, un écran de 5 pouces, nous sommes en HD uniquement. Pour le moment, on est sur de la ROM MIUI 7. L'écran est très très réactif, vraiment c'est un vrai plaisir. Ce Redmi 3S est livré avec le Play Store et c'est tout. À vous d'installer le reste qui vous convient, mais il est livré avec une interface internationale, une ROM internationale et avec le Play Store. Donc ce qui est tout de même plutôt un bon point à mon avis par rapport à d'autres téléphones comme le Redmi Pro, le Redmi Note 4 qui ne sortent qu'avec une ROM chinoise anglaise, pas du tout internationale donc, et très limitée en langue, celle-ci ne l'est pas. Et franchement, c'est un plaisir de le configurer parce que ça se configure vraiment, vraiment très simplement. Et il y a déjà eu 3 mises à jour. Alors, regardons les paramètres de ce Redmi 3S. On va regarder tout de suite à propos de l'appareil. La version d'Android, vous le voyez. Donc, c'est du 6.0.1. Et la MIUI, donc, on est en 7.3. C'est de la 7.3.10. Donc, le CPU octa-core à 1,4 GHz. 2 Go de RAM. 16 Go de ROM. Et il en reste actuellement 6.5. Voilà. Si je regarde la mise à jour, checking, no update pour le moment. Donc, on est vraiment sur la toute dernière de la MIUI 7. Alors, quelles sont les choses qui sont intéressantes sur ce modèle? Alors, moi, j'aime bien, c'est la LED de notification. Alors, il faut la voir, mais là, j'ai retiré les notifications, donc vous ne la verrez pas. Et en fait, elle est toute petite, carrée, sous le bouton Home, ici. Elle n'est pas en haut, ici, elle est vraiment par là, toute petite, et c'est vraiment une LED de notification. Alors, Xiaomi a tiré les prix en ne mettant pas de bouton rétroéclairé sur le bas, et vous n'avez pas l'interface Android pour les boutons Android. Bon, sur un 5 pouces, après, ça devient petit, donc ils ont laissé les boutons tactiles de cette façon, et non rétroéclairés. C'est quand même un smartphone doté d'une finition. Franchement, pour un prix de 115, entre 115 et 120 €, là, très honnêtement, la concurrence a de quoi s'accrocher parce que du, en gros, hein, processeur 6753 à 120 €, il n'y en a pas beaucoup. Et je dirais que le concurrent de ce modèle, c'est le
Ulefone Metal que nous avons testé dernièrement. Et le Ulefone Metal est à un prix plus élevé. Alors on va regarder tout de suite. Alors vous le voyez, l'écran prend des marques, mais finalement très très peu. Il est quand même assez bien traité en surface. Donc ça s'efface et ça se nettoie assez facilement finalement. Donc ce n'est pas un écran vraiment désagréable par rapport à la capture d'empreintes sur l'écran. Pour ce qui est des tests, le résultat AnTuTu, on le regarde tout de suite. 33 000, donc vous voyez bien qu'on est vraiment au niveau du MTK 6753. Là-dessus, il n'y a pas photo, on est vraiment dans cette norme de processeur 8 cœurs à 1,3-1,4 GHz, ce qui fait que ce sont des téléphones quand même performants et on arrive à garder des prix contenus. Mais là, en termes de prix, le Redmi 3S fait vraiment très très fort. Donc, pour rappel, Android 6.0.1, le processeur est un 8 cœurs, le GPU est l'Adreno 505, la résolution de l'écran, on est en 720p, la caméra arrière du 13 et du vrai 13, stockage, donc on est sur, vous le voyez ici, 2 Go de RAM, on a, vous le voyez, vous avez 16 Go normalement, hein, donc 16 Go annoncés, moins l'OS et tout le reste, il nous restait à peine 10 gigas. Il vous reste actuellement 6 gigas. Alors, à savoir que la mémoire est extensible jusqu'à 128 gigas. Optez. Voilà. J'ouvre le tiroir. Donc, le tiroir se compose de cette façon. Vous avez la SIM 1 de ce côté, la SIM 2 de l'autre. Ou alors, la SIM 1 et votre carte SD à l'horizontale et une carte SD qui va donc jusqu'à 128 gigaoctets et avec un tiroir qui se ferme très proprement. C'est vraiment une finition à la Xiaomi. Alors ils ont fait un téléphone, ils ont voulu concurrencer justement les marques pas chères chinoises et on aurait pu craindre qu'ils aient fait un téléphone vraiment peut-être un Xiaomi au rabais, mais finalement pas du tout. Et je vous laisse découvrir la LED. Regardez bien. Voilà. Voilà, vous l'avez bien vu. C'est un petit carré. C'est mignon, c'est discret, c'est voilà, c'est efficace, ça se voit bien. Donc moi, je trouve ça génial, personnellement. Alors, on repasse sur le CPU. L'Adreno 505. Donc la caméra en façade est une 5 mégapixels. Niveau de batterie 55 et ils annoncent une batterie de 4000 mAh dans ce petit téléphone. Alors je ne l'ai pas testé, très honnêtement j'ai déjà testé du Xiaomi, c'est toujours une vraie annonce, donc je leur fais confiance. Elle est annoncée pour 4100 et derrière ils le disent bien, c'est 4100 mais on va dire en moyenne 4000. Donc voilà, il y a un message honnête à l'arrière en fait de la boîte où ils annoncent donc une batterie normalement de 4100, mais il arrive qu'elle ne soit que de 4000. Donc on va dire 4000, et très honnêtement, l'ayant utilisé plus de 8 jours, je peux vous dire que ça tient, il n'y a pas de problème. Donc au niveau fonctionnalité, pas de NFC bien sûr. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est tout ce qui est capteur, il n'y a jamais de MediaTek. L'accéléromètre, c'est du STMicroelectronics. Les vecteurs de rotation, de jeu, géomagnétique, gravité, QTI. Le gyroscope, STMicroelectronics. Le gyroscope non étalonné, Litéon. Ensuite, le capteur de lumière, c'est du Litéon aussi. Accélération linéaire, donc sur l'écran, hein, QTI. Les champs magnétiques, étalonné, c'est du Yamaha. L'orientation, c'est du QTI. Proximité, Litéon. Vecteur de rotation, QTI. Compteur de pas, QTI. Mouvement important, QTI. Le multitouch, super intéressant aussi. Voilà, 9. Pas 10, pas 5, pas 3, 9. Bon, voilà. Donc vous avez un écran, mais alors vraiment juste parfait, vraiment nickel. Hein. Alors, par rapport à d'autres, on va faire le screen test, vous allez le voir. On est chez Xiaomi. Donc, contrôle qualité en usine. Juste ce qu'il y a de meilleur, ou parmi les meilleurs, hein. Voilà, on va être gentil avec les autres aussi quand même, mais c'est parmi les meilleurs, voilà, c'est clair.
Alors le rouge, je vous dis pas, la calibration de couleur est juste magnifique. Que ce soit chez vous ou à l'œil nu, c'est superbe. Et je le rappelle pour une personne qui m'a envoyé un message en décrivant notre chaîne et mes revues que je faisais pour vous, était de l'amateurisme. Il est venu voir ma chaîne sur le Blackview R7 et la revue que j'ai faite sur l'écran ne lui a pas plu parce que cette personne s'est acheté un Blackview R7 et il semble qu'il ait été, je pense, hein, très honnêtement, vexé que je critique le Blackview R7 alors que lui, il en est très content. Et je le répète et je le dis à tous, hein, écoutez bien, les écrans, quels que soient la marque, quel que soit le téléphone que je teste, j'ai les lumières artificielles, LED, plus un gros projecteur pour les 6000 lumens de lumière naturelle sur l'arrière, j'ai des LED au-dessus, et je le vous dis très clairement, tous les écrans sont en luminosité automatique. Donc si le Blackview R7 a mal analysé, le capteur est mauvais, l'image est mauvaise. Lui, vous l'avez vu, les couleurs sont tout aussi pétantes, bien qu'il y ait beaucoup de lumière. Il l'a diminué très, très, très légèrement, mais voilà, il reste pétant, il n'y a pas de film gris dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais écoutez, on continue. Voilà, parenthèse fermée. Donc le verre, vous le voyez, par contre, il tire. Le verre est tellement pétant qu'il a tendance à tirer vers autre chose que du vert finalement. Bon, alors le bleu est juste très beau, moi je le trouve, c'est une espèce de bleu océan. Alors il est peut-être calibré violent, vous le verrez par la suite avec des vidéos, mais il est peut-être calibré un peu exagérément. Voilà, c'est peut-être le reproche qu'on peut lui faire, mais les couleurs sont belles, pas de film gris dessus, les niveaux de gris. Alors là, c'est là où vous voyez vraiment la calibration des couleurs chez Xiaomi. Vous faites une vraie distinction entre toutes les couleurs. Je vous laisse vraiment regarder en détail. Et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune couleur qui se chevauche. Très clairement, il est juste magnifique cet écran. Vraiment, vraiment. Voilà, et la mire des couleurs de la même façon, vous voyez qu'elle n'est pas fade, elle est vraiment très lumineuse, un écran très lumineux et magnifique, et il est, pour la dernière fois je le dis, ça me fait rire, mais il est en luminosité automatique. Donc ce que je voulais continuer, c'était vous montrer les captures d'écran que j'ai fait sur Geekbench, sur 4G Mark et Pixitadel, et de cette façon vous aurez vu le point total sur les perfs. Et ainsi que le GPS, j'allais l'oublier, je suis désolé, mais vous allez aussi voir donc les perfs du GPS. Mais on attaque par les perfs de Geekbench version 4 en single core, multicore. Vous voyez qu'on est vraiment très très proche du MTK 6753 avec un single core pas terrible et un multicore plutôt bon. Pas mauvais, pas extraordinaire, mais bon, voilà. Pour le Geekbench score sur le render script, donc tout ce qui est gestion des performances au niveau GPU et affichage image, traitement d'image et ce genre de choses, on a un score plutôt pas mauvais quand même de 1524, ce qui est un peu au-dessus du lot des Mali T720 en l'occurrence, puisque c'est son concurrent aussi, donc il est un peu au-dessus du Mali T720. Epic Citadel, et vous le voyez, on est à 60 frames par seconde, là où le Mali T720 tourne autour des 48, hein, si j'ai bonne mémoire, hein, là on est quasiment 60, donc c'est très fluide. Voilà. Ensuite, le GPS. Alors, première image, GPS test. Avec 15 GPS en cours d'utilisation, une fois fixé, ok. Et le temps pour fixer le premier GPS, 3 secondes. Donc, petit smartphone à 115, 120 euros, mais largement plus efficace que beaucoup d'autres. Malheureusement, donc en termes de fréquence disponible sur ce Redmi 3S, malheureusement, bien sûr, je le dis, mais c'est un peu comme souvent sur ces marques chinoises qui
n'ont pas décidé de s'exporter officiellement. Voilà, c'est un peu le souci. C'est que là, par exemple, comme tous les autres qui ne s'exportent pas officiellement, il manque la bande des 800 MHz en 4G. Donc, c'est un peu le souci. Pour la bande des 900 3G, elle est disponible, il n'y a pas de souci. C'est là-dessus que je voulais un peu finir sur les tests de revue benchmark et autres, parce que voilà, il manque la bande des 800 et c'est un peu dommage. Maintenant, je vous mets des photos, vidéos prises avec la caméra, et puis bah écoutez, à vous de juger, vous mettrez un commentaire si vous le voulez. Et on embraye sur la visualisation d'une vidéo et regardez, admirez, et vous allez pouvoir le voir par vous-même. Il n'y a aucun film gris ou quoi que ce soit de bizarre sur cet écran qui ferait que les couleurs seraient atténuées et dénaturées. Vous voyez que la plage est vraiment... un ciel certes nuageux mais bien lumineux, un vert bien pétant. C'est là je vous disais peut-être que les couleurs sont un petit peu exagérées, c'est surtout là sur la grenouille, mais vous voyez que la définition de l'écran est vraiment magnifique et que les couleurs le sont tout autant. Voilà pour la vidéo qui est franchement d'excellente qualité. Et bah écoutez, comme d'habitude, on embraye sur quoi? Le son. Et alors là, bah pareil, hein, Xiaomi a fait très fort. Je mets en play, je monte le son. Alors, vous l'avez entendu, le son. Je vais faire l'écoute au casque après, hein, pour ceux qui ont apprécié l'écoute au casque. Le son est très bon. Alors, on va pas dire qu'il soit péchu à fond, mais il est plus fort que sur d'autres téléphones. Il n'a aucune saturation et sincèrement, on est proche des basses. On est à la limite, juste à la limite d'en avoir, mais des vraies bonnes, quoi. C'est vraiment assez incroyable sur ce petit Redmi 3S, ce que Xiaomi a fait en termes de son. Je prends le casque et je vous fais écouter ça tout de suite au micro. J'ai branché le casque. Le jack 3.5, vous le voyez, ça tient plus que parfaitement. Il n'y a pas de souci, ça s'enclipse vraiment très fortement. Je vous le remontre. Écoutez bien. Voilà, et le dernier clic, et c'est sérieux. Alors, on reprend le son. Je mets ça au casque, et vous allez écouter ça sur le micro. Je viens de me mettre le casque aux oreilles, ça dépote, mais alors à un point, c'est d'une qualité sonore incroyable. C'est juste
tout parfait. Là où plein de constructeurs vous annoncent avoir mis des puces, des doubles puces et je ne sais quoi encore, bien écoutez, on peut ne pas avoir des super puces de traitement du son et faire quelque chose de juste très bon. Voilà pour les couteaux casques. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour complet puisque c'était le dernier point. Bon, allez, je vais vous faire plaisir. Un petit jeu quand même. Et puis après, ben, écoutez, on en aura fini avec le test de ce Redmi 3S et on fera la conclusion. Mais je pense que vous doutez déjà du résultat. Alors attention, on lance la course. J'ai dirigé le micro vers le téléphone avec le son qui est à un niveau... Voilà, on va le descendre un petit peu parce que moi ça me pète un peu les oreilles quand même, tellement c'est fort. Et bien écoutez, vous allez écouter le son en même temps et voir le jeu et dans quasiment comme si vous étiez en train de jouer au jeu. Bref, hein, voilà. Et on accélère. Hop là. Donc voilà pour le jeu. Je sais pas vous, mais je le trouve impressionnant ce téléphone. Et donc, eh ben, écoutez, on va faire les pour et les contre déjà. Et puis après, bah, on fera la conclusion finale avec la note et le petit graphique qui va bien. Alors, les pour et les contre de ce Redmi 3S. Pour ma part, après ce test complet, mais pour la finition générale, la finition globale du téléphone, pour un téléphone, je le rappelle, autour des 120€, je dis sincèrement, très honnêtement, je ne vois pas mieux. Voilà, même si j'ai vu des beaux téléphones avec une belle finition, là, franchement, la seule chose que je critiquerais, la seule chose, voilà, c'est un peu la mode le Echo, où vous n'avez pas de joint entre la bordure de l'écran et le châssis métal. Ce qui fait que si vous tombez sur le coin ici, l'écran, le verre ici en surface, risque de casser direct, de se fêler direct. C'est voilà, le seul point, et après on va pinailler, parce que je vais pinailler, c'est clair, mais c'est le seul point que je dirais être manquant côté finition. Ensuite, l'écran en lui-même, il est juste parfait, malgré des couleurs saturées qui seront dans les contres. Mais sur les pour, un écran parfait, du HD, un beau HD, un très beau rendu de couleur sur les films, juste, voilà, pas grand-chose à dire. Le GPS, pour aussi, vous l'avez vu, 3 secondes de premier fixe, qui dit mieux. Et derrière, sur la route, ça fonctionne parfaitement. Le scanner d'empreinte, 120€ le téléphone, ils n'ont pas mégoté sur le scanner d'empreinte, qui est clairement le même que sur les Redmi Note 3 ou 4 et autres. C'est le même. C'est aussi rapide et sans avoir besoin de s'y reprendre à 2 fois ou 3 fois pour qu'ils lisent correctement votre empreinte. Enfin, la caméra de 13 mégapixels, parce que vous l'avez vu, dans les détails de photos, le mode HDR, donc il y avait une photo grisâtre hein, en extérieur et une plus lumineuse. Donc vous l'avez vu, la lumineuse, c'est le mode HDR. Le mode HDR est parfait parce que il prend la photo et derrière,
vous n'avez pas besoin de ne pas bouger. Il a pris la photo, il fait le traitement HDR après coup. C'est peut-être un peu plus long, mais au moins ça vous évite de rester avec votre téléphone et de ne pas trembler du tout et de faire attention à ne pas bouger. Ça, c'est juste parfait aussi. Et un prix super agressif, 120 €, franchement, il n'y a pas mieux. Alors, les contres, la batterie non amovible. Alors, c'est un pour parce qu'elle fait 4000, mais c'est un contre parce que voilà, vous avez un châssis tout métal. Et bien écoutez, la batterie, si elle commence à être faible, bah vous êtes un petit peu mal à part le renvoyer. Ensuite, bah l'écran, il n'est que HD. Alors voilà, je pinaille. En même temps, full HD sur un 5 pouces, pas très utile. Je trouve, et je vous l'ai dit pendant la vidéo, les couleurs un peu trop saturées. Ils les ont un peu trop poussées à mon avis, même si vous avez vu que les dégradés sont juste très beaux. Mais sur le rouge, vert, bleu, là, on est à la limite vraiment de la saturation, et en particulier sur le vert, qui a tendance à tirer vers un jaune spécial, mais qui a tendance à tirer vers autre chose que du vert. Ensuite, bah, il n'y a que 16 Go de ROM, mais vous avez au-dessus le modèle Prime, qui vous propose 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Et alors actuellement, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je vous propose d'en profiter parce que alors là, franchement, la boutique Gearbest, donc qui nous a fourni cet appareil, fait actuellement une vente flash qui va durer encore 4 jours sur le modèle Prime, et il n'est qu'à 130 €. 130 € pour avoir 3 Go de RAM et 32 Go de ROM avec les mêmes specs en dehors de cette RAM et de cette ROM. Donc un vrai téléphone de qualité avec du stockage et de la vraie RAM. Voilà, donc c'est ce qui fait peut-être la limite de ce modèle. Pour information, ce modèle il est en vente. Voilà, donc je vous laisse l'adresse mail pareil dans la description de la vidéo. Si cela vous intéresse, vous m'envoyez un mail, mais sachez qu'il sera à un prix intéressant. Voilà, donc il sera à moins de 100 €. Donc vous me contactez et je vous dirai comment faire si cela vous intéresse. Et je vous mets les liens pour l'achat du matériel. Alors pour notre note finale. Eh bien la note finale, en performance, je lui ai mis 7, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, en haut à gauche. Je lui ai mis 7 parce que pourquoi ? Bon voilà, c'est un concurrent du 6753, c'est un petit smartphone, voilà, il est efficace, mais on n'atteint pas des sommets non plus. Donc 7, en termes de design, je lui ai mis 6, pour la simple et bonne raison, c'est que le design global, bon voilà, Xiaomi, Meizu, je dirais que c'est presque le même combat sur ce type de châssis, c'est toujours le même design, donc bon voilà, pour moi ça vaut pas plus, c'est mon avis. Par contre, on attaque les choses là maintenant intéressantes. Même si le design global du téléphone me laisse pas me fait pas sauter au plafond, sa finition est juste excellente, il n'y a zéro défaut, c'est du zéro défaut, tout est bon. Voilà, donc 10. J'ai hésité avec le 9 pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas les boutons rétroéclairés, mais je me suis dit c'est un premier prix, je vais pas non plus aller être trop idiot et trop bête à retirer ce genre de bêtises, de points pour ce manque. Voilà, la caméra 9, vous l'avez vu, ennui c'est pas mauvais, mais il y a un léger piqué, donc effectivement bah ça reste du 13 mégapixels, mais c'est du très bon 13. Voilà, donc 9. Et la batterie 10 parce que elle tient le coup, elle tient la distance, hormis du fait qu'elle n'est pas amovible, et c'est tout. Donc voilà, on en a conclu avec ce Redmi 3S 5 pouces, super efficace, et pas grand chose à dire de la part de Xiaomi sur ce téléphone. Eh bien écoutez, j'espère que cette revue test vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire pour discuter de la bête, si vous avez un intérêt sur ce téléphone.
et me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, hein, si quelqu'un d'autre est intéressé aussi, bah, qu'il n'hésite pas non plus à mettre en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, parce que plus il y aura de partage, plus il y aura d'abonnés, plus de matériel à tester, et ça commence à porter ses fruits. Voilà un matériel testé pour une boutique, mais je dis mon avis sur ce modèle. Voilà, et mon avis est positif, mais bon, en même temps, chez Xiaomi, c'est difficile d'être négatif, c'est très rare d'être négatif. En tout cas, ce petit Redmi 3S, moi, il m'a vraiment bien plu, mais 5 pouces, c'est pas ma tasse de thé, moi je suis plutôt 5,5, mais je l'ai utilisé, voilà, pendant une bonne huitaine, il fait son effet, il est doré, bon, voilà, il est beau. Et bien, écoutez, surtout, comme j'aime à le répéter, portez-vous bien. Faites bien attention à vous, la vie est trop importante. Eh bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine et puis à ciao. Allez.